say. Bonsoir tout le monde, c'est Darkness et on se retrouve pour un jeu RPG sur Tolt. Alors je connais pas grand chose sur ce jeu, donc je vais le lancer et on va le découvrir ensemble. Ils se prirent l'un et l'autre, puis s'embrassèrent. C'est mignon, ils s'embrassent. Et ils se bousculèrent dans le coin des ténèbres. Et ils crurent en d'autres lumières, d'autres rêves. Hubert Selby Jr. Un jeu créé par... Sharon. Donc j'ai pris une version traduite en français parce que je suis pas très douée en anglais et je crois que le jeu est créé par des Allemands. Alors c'est encore pire. Par contre, je vais peut-être juste baisser un peu le son. Voilà. Là. Voilà. Tant que ça charge. Maman! Ma tête. Cette pièce. C'est tellement vide. D'accord. Ok, donc... Ce n'est pas à moi. Je déteste les animaux en peluche. Ok. Le meuble est vide. Info du jeu. Bienvenue dans le monde de Tolt. Les sujets suivants traitent des mécanismes du jeu. Le gameplay, le menu, tension psychologique, le gameplay. Tolt, tout d'abord, n'est pas orienté vers le RP. La majorité de gameplay rappelle un jeu d'aventure plus classique, différentes énigmes. Devront être résolus avec l'aide des informations tournées un peu partout. Il est possible que les contrôles faits peuvent mener à différents examens du lieu où trouver le personnage. Ça signifie qu'on peut considérablement changer l'histoire. Ok, c'est cool ça. Cela signifie qu'un personnage de l'histoire achevée dans un jeu peut faire la lumière sur un autre. Une autre chose à noter sont les confrontations avec les ennemis. Il a été mentionné précédemment que Tolt n'implique pas de combat traditionnel. Les ennemis sont invulnérables et la stratégie est nécessaire afin de s'en échapper. Soyez vigilants, faites-vous toucher une fois par les ennemis et le résultat sera un game over. Oh, ça va être cool. Événement temps rapide. Dernier point méritant d'être mentionné ici est la Quick Time Event. Au cours de ces événements, certaines touches devront être pressées en ordre. Oh, c'est un Quick Time, quoi. Pour s'échapper, résoudre un mystère ou rester en vie. Ces événements sont similaires à d'autres jeux RPG Maker ou à des titres commerciaux comme Resident Evil 4. Et faites attention au téléphone avec une lumière bleue. Ce sont des points de sauvegarde de Tolt. Cool. Menu. Mm-hmm.
Donc, de temps en temps, vous trouverez des tranquillisants pratiques si vous êtes dans de mauvaises conditions. Soyez vigilant, cet objet est à peine trouvable dans le jeu et devra donc être utilisé précautionneusement. Objet, ici se trouvent tous les objets et clés trouvées. Les clés sont utilisées automatiquement. Les objets doivent être sélectionnés pour être utilisés. Ici se trouvent toutes les lettres, documents, journaux et plus trouvés. Vous pouvez lire ou supprimer ceci si vous les jugez sans importance. Toad utilise un unique système de santé. Il augmente, baisse constamment, reflétant l'état mental de l'héroïne, triste, choquée ou d'autres événements autrement brutaux, amène à la baisse votre santé mentale. Calmer ces événements la rétablit. Vous devez aussi décider ce dont vous pensez pouvoir supporter psychologiquement. Maintenant et seulement maintenant, vous avez la chance d'éviter les événements négatifs qui peuvent endommager votre santé mentale. Ouais, tranquillisant, on a déjà vu. Montre les conditions indiquées par la jauge de gauche dans le menu. Si vous allez bien, la jaune est bleue. Si votre santé mentale est moyenne, c'est gris. Et si l'urine se sent mal, la jaune sera jaune. D'accord. Bon, bah, on peut commencer. D'accord. On peut courir? Non. Irréel. Mon reflet. Ok, elle va prendre un bain. La salle de bain est vide. Ok. C'est la chambre de maman, je n'ai rien à faire par ici. D'accord. Idylle. Il y a une... Ok, un tableau. On descend. Bon, bah, on va tout de suite sauvegarder, je pense. Hein. Avant de faire quoi que ce soit. C'est chiant. Voilà. Oh putain. Un petit changement d'angle. Qui l'a allumé? Ah voilà, on s'entend tout de suite mieux. C'est un morceau de papier. Quelque chose est écrit ici. S'il te plaît, apporte le reste à la cave. Les cartons seront récupérés à 5 heures. Maman. Ma chambre est déjà vide, mais je devrais descendre ce stupide ours. Le faire maintenant, on va dire non. Je n'ai pas à aller dans la cave maintenant. D'accord. Donc la cave est-il là-bas? Il peut être utilisé pour n'importe quoi. J'ai pas besoin de me laver les mains. Ok. Est-ce que je pourrais cuisiner? Il y a des épais nuages à l'extérieur. La porte est fermée. C'est sûrement maman qui a pris les clés. Ben, on va descendre le mur, ça. À 5 heures. Attends, il est quelle heure? Attends. C'est quoi ça? Un fantôme? C'était pas une bonne idée.
Les rats seront heureux avec lui. Il n'y a rien d'intéressant dans ces cartons. Rien de spécial. Il n'y a rien d'intéressant dans ces cartons. Des bouteilles de bière vides. Je ne me rappelle pas qu'on ait acheté cette nourriture crème de maïs. La date semble être dépassée depuis quelque temps. C'est flippant. Fermé. Bon ben... Je vais juste sauvegarder une deuxième fois. La porte est fermée. C'est sûrement maman qui a pris les clés. C'est la chambre de maman. Je n'ai rien à faire par ici. Il n'y a pas quelque chose, hein? Non, d'accord. Tu veux prendre un bain? Bon. Meuble vide. Ok. Ben, je fais quoi, là? Il y a des pénis dehors, mon lit. Ceci, c'est chaud, comme si quelqu'un avait été ici récemment. Ok. Bon, ben, on va falloir suivre le fantôme, hein, d'une manière ou d'une autre. Si fantômé. Bon, là, moi, je peux pas la relire. Des bouteilles de bière vides. Ni verre ni couvert dans le buffet. Vite. Ok. Attends, il est passé où le couteau? Parce que... C'est la meuf qui remarque que le couteau il a disparu. Oui. Chérie, c'est moi. Maman. Ah ah. Quand... Pourra-t-on se voir? Bientôt. Je voulais juste te dire que je t'aime de tout mon cœur, chérie. C'est vraiment toi, maman? Bien sûr, qui ça pourrait être d'autre? Un admirateur que tu fréquentes? Un vieil ami? Ou quelqu'un que tu as manqué? Maman, tu... J'espère qu'on se reverra bientôt. Il a disparu. On va me tuer. Fermé encore. Je suis enfermée dans cette maison, c'est cool. Je vais sauvegarder. Hein. Fermé encore. Irréel. Alors pour toi, toutes les plantes sont irréelles. Ok, ça marche. Comme ça. Un ours en peluche. Ah bon, il n'y a rien là. J'ai remonté. It's so flippant. Idylle. Ok.
sans reflet. Là, genre, ok, toi tu restes une mini-seconde. Oh, t'as pas besoin d'y aller. Je ne me rappelle pas avoir fait couler l'eau, ça a l'air si bon, j'aimerais prendre un bain. Prendre un bain maintenant? Ben oui. Ah, c'est des habits, c'est pour ça. C'est sûr. Oh putain de la buée. Salut. Espèce de voyeur ou de voyeuse. Je ne sais point qui tu es. C'est possible que tu sortes de là? C'est un château. Non, c'est quelque chose. Oui, un château. Je déteste cette ville. Ok, c'était une ville qu'elle a vue. Ça me rend folle. Mais plus pour longtemps. Là, ils sont surplus, hein. Ah, une serviette. Ok. Que... Donc la fille est tentée et elle ne s'en rend même pas compte. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, pour le moment il se passe rien. Donc à chaque fois qu'il y a de la buée, elle change de place, comme ça. Ouais, c'est rhabillé. Ouais, je peux y aller. Mon lit. Donc d'accord, faut pas retourner au lit. Juste vérifier un truc. Alors d'accord, ma santé mentale est très basse. Je n'ai aucun tranquillisant, d'accord. Objet. J'ai pas d'objet. Des mémos. Ok, j'ai l'info du jeu. Ensuite, note de maman. Ok. C'est tout. Ok. Il dirait qu'elle regarde le ciel. Bon, c'est mon premier RPG Maker. Ça venait d'en bas. Qu'est-ce que c'était? C'est très particulier. On sauvegarde. Encore. Oh, le couteau, il est revenu. C'est du sang? Un couteau ensanglanté.
Un couteau ensanglanté. Ok, avoir un couteau ensanglanté, après elle se dit que... Qu'est-ce que je ferai à manger? Il y a des paix de nuages à l'extérieur. Fermé. Ok, je suis enfermée dans une maison. Avec un esprit tueur. Sans ma maman. Les lumières sont éteintes. Où est l'interrupteur? Ah, il est là. Il y a eu quoi ici? Oh, tu dis... Bon. Il s'est passé quoi ici? Il saigne. Il est mort. Tant pis. Bien fait pour toi. Je reste pas ici, moi. Cet ours. Un couteau ensanglanté. Dégoûtant. Rien de spécial. Des bouteilles de pierre vide, encore la même chose. Hein. C'est toujours la note de maman. Bon, je vais sauvegarder. Hein. Oh putain! Ah, oh, ça m'a effrayé, la télé. J'ai rallumé la télé? Non, t'as pas fait ça. C'est rallumé toute seule. Putain, mais ils font chier! L'électricité, ça coûte cher. Qu'est-ce que... Là, il va avoir un visage qui va popper. Ah, c'est un plus. D'accord, carrément. Je n'arrive plus à l'éteindre. Des branches d'électricité. Attends un peu. J'ai l'impression que je peux voir quelque chose. Oh non, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Oh putain. Tu vois quoi? Ok. C'est une caméra. Ça c'est pour monter à l'étage. Ok, les escaliers, on va voir la télé. Il y aura quelqu'un à côté de moi, on parie combien? Ah non. Ok. Y a quelqu'un dans la chambre? Putain, souris. C'est quoi ça? Ok, il y a eu un bug. Elle est rentrée dans le décor. Qu'est-ce qui se passe ici? Je dois partir d'ici. Oui, désolé, j'ai dû m'absenter un petit moment, mais je suis de retour, donc on peut reprendre. Ok, c'était très flippant, donc on va sauvegarder tout de suite. Et je propose qu'on retourne dans la chambre hein, pour voir ce qui se passe vraiment. Enfin, quoique non, elle a dit qu'elle voulait partir. En fait, elle va partir. Zut, pourquoi maman a pris les clés? Oula, ça venait d'en haut? Qu'est-ce qui se passe ici?
fermée. Bon ben on n'a pas le choix, on va falloir monter. Il y a quelqu'un qui gratte contre la porte. Maman? Qu'est-ce que... Il n'y a personne ici. Ai-je juste imaginé ça? C'est la clé de la maison. J'ai la clé de la porte. L'armoire est remplie de vêtements de maman. Curieux. Oui. Différents livres, ce que maman préfère aussi, Stephen Hawking. Une courte histoire de temps et l'univers dans une noix. Pourquoi ne les a-t-elle pas déjà mis en carton? Stephen Hawking. C'est pas Stephen King? Qu'est-ce que... Je ne peux pas ouvrir la porte? Pourquoi, bordel? Pourquoi? C'est tout simplement fou. Oh, elle a dormi sur le lit de sa maman. Qu'est-ce que tout cela veut dire? J'ai mal à la tête quand j'y pense. Et je suis fatiguée. Bloquée. Dans la chambre de maman. Hey, tu comprends vite, toi, hein? Je veux juste partir de cette maison. Je deviens folle ici. Non, tu crois? Maman, où es-tu? Si tu viens... Tu me feras partir d'ici? En étant optimiste, bientôt. It's the... Oh putain. C'est la femme qui... le fantôme qui revient. Voilà, parce que je sais pas si c'est une femme ou un homme. Oh, horrible. Et elle se réveille là-dedans, quoi. Maman? Tu es là? Ok, elle n'a pas remarqué qu'il y avait du sang autour d'elle. Maman, je peux t'entendre. Donc, tu es là? C'est pas ta mère, à mon avis, hein? C'est pas ta maman. Ok. Elle a vomi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a censurés.
Tu l'as pas vidé ta mémoire depuis le temps? Ah, je peux rejouer. D'accord. Ok, y a rien. Dans l'autre chambre, est-ce qu'il y a encore la marque de sang sur la fenêtre? Ok, la porte est coincée. Bon, ben, j'opte pour qu'on se casse. Si partir, on peut. Je vais sauvegarder. Que je regarde juste. Ouais, bon, en fait, je propose qu'on va se laisser ici. Donc, c'était mon premier épisode sur Talk. Et ben, j'espère que ça vous a plu. Et merci d'avoir regardé si vous avez regardé. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!